En apprenant la science avec amour et piété, loin de la mécréance, et en évitant les péchés avec la bonne croyance sur laquelle le prophète était. Nous aurons une annonce qui sera bien méritée en guise de récompense, le bonheur pour l'éternité en guise de récompense. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très important, celui de donner des fatwas. Attention, ce que Allah nous en préserve. Malheureusement, beaucoup de gens s'empressent à répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse. N'importe qui ne peut pas émettre des avis tirés de son propre jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui a pour sens, celui qui donne un avis sans science, les anges du ciel et de la terre le maudissent. » De plus, Abu Daoud a rapporté le récit de l'homme qui avait une blessure à la tête et qui s'est retrouvé genoux, une nuit froide. Il a demandé le jugement selon la loi à ceux qui étaient avec lui, mais qui n'étaient pas aptes à être interrogés. Ils ont défait leur ensemble, il s'est lavé et on est mort. On a appris la nouvelle au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit alors, ce qui a pour sens, ils l'ont tué et qu'Allah l'ait rétribué. Pourquoi n'ont-ils pas demandé? N'ont-ils pas su que le remède à l'ignorance, c'est de demander aux gens de science? Il a dit aussi, ce qui a pour sens, il leur suffit de faire le tailler à main, de mettre un pansement sur sa blessure, de passer la main mouillée dessus et de laver le reste de son corps. Alors mon frère, ma soeur, si un jour tu es interrogé sur une question au sujet de laquelle tu n'as pas reçu de transmission authentifiée, tu n'as jamais entendu une réponse, je ne sais pas. Il a été rapporté que Ali, qu'Allah l'agré, avait été interrogé sur quelque chose et qu'il avait répondu alors, ce qui a pour sens, quel soulagement de répondre, je ne sais pas. Lorsqu'on m'interroge sur quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Si tel est l'état de celui qui a le plus de science parmi nos compagnons, Ali, qu'Allah l'agré, mais que dit alors de quelqu'un d'autre que lui? Ce qui entraîne les gens à faire ce qui peut les mener en enfer, compte parmi les plus graves épreuves qui soient arrivées à cette communauté. Alors quoi s'élève propre au faux et à l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Demandant à Allah d'être parmi ceux qui écoutent les paroles et qui mettent en pratique le meilleur de ce qu'ils entendent. Certes, Allah est sur toute chose tout puissant. Barakallahu fikum wa salamu alaikum. En apprenant la science avec amour et piété, loin de la mécréance et en évitant les péchés. En apprenant la science avec amour et piété, loin de la mécréance et en évitant les péchés. Avec la bonne croyance sur laquelle le prophète est.